Les résolutions de la nouvelle année sont devenues des choses qu'on aimerait faire et que finalement on ne fera pas. Comment ça se fait et comment faire pour enfin tenir ses objectifs? C'est sur Morning Kiss. Bonjour, ici Alex Wagner, je suis coach certifié, formé à la PNL et expert en relations hommes-femmes. J'ai fondé Morning Kiss pour accompagner ceux qui le souhaitent vers leur réussite sentimentale. Pourquoi c'est important de tenir ses objectifs? Dans les exemples de résolution, on entend souvent des choses comme « je vais essayer d'arrêter de fumer »,« je vais essayer de me mettre au sport ». Bref, ce sont des trucs qu'on aimerait faire, c'est-à-dire qu'on a la motivation, mais on n'a pas la méthode pour y arriver. Ces choses-là, je les appelle des rêves. Comment ça marche? Vous savez, on dit souvent quand on exprime une résolution, je vais essayer de faire ci ou ça. Yoda nous dit, fais-le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai. Et d'ailleurs, prendre une décision, c'est faire un choix. Et faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. L'étymologie latine du mot décider, c'est décidere, qui veut dire détacher en coupant, ça veut dire supprimer une partie. Donc faire un choix implique de laisser tomber quelque chose. Et pour ça, vous allez dégager du temps, peut-être planifier dans votre emploi du temps ce pourquoi vous voulez réaliser votre objectif. Et comme ça, vous aurez, pendant que vous allez consacrer du temps à votre objectif, vous ne pourrez pas faire autre chose, donc vous allez laisser tomber autre chose. Autre point important, c'est toujours tourner vos objectifs à la positive. Parce que la PNL nous apprend que le cerveau n'enregistre pas la négative. C'est-à-dire que si votre objectif c'est arrêter de fumer, et que vous vous répétez plusieurs fois par jour que vous voulez arrêter de fumer, votre esprit, ce qu'il va retenir et entendre, c'est fumer, 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 fumer. Donc il faut tourner ça à la positive. Alors vous pouvez toujours le faire, par exemple pour arrêter de fumer, la positive serait peut-être... j'aimerais purifier mes poumons. Et comme ça, l'esprit va entendre en boucle, purifier, 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 purifier. Vous voyez? C'est important, je l'ai appris pendant ma certification de coaching, d'avoir des objectifs, mais pas n'importe lesquels. Certains objectifs sont plus valables que d'autres, et pour être sûr d'avoir un objectif qui tienne la route, je vous encourage à le smartiser. Alors, smartiser, c'est un acronyme, l'acronyme SMART, avec un E à la fin. Le S, c'est synthétique. Vous voulez un objectif qui soit pas trop à rallonge. Alors c'est typiquement bien le cas pour une résolution. Par exemple, se mettre au sport ou arrêter de fumer, certes ce sont des objectifs synthétiques, donc de ce point de vue ça va. Le M, c'est mesurable. À quoi saurez-vous que vous avez réussi votre objectif pour arrêter de fumer? Là, effectivement, c'est mesurable parce que ça se mesure en nombre de cigarettes fumées par jour ou par semaine. Pour se mettre au sport, pareil, encore faut-il peut-être définir une fréquence parce que si se mettre au sport, c'est pas y aller une fois tous les 6 mois. Se mettre au sport, c'est peut-être y aller 2 ou 3 fois par semaine. Versus un objectif qui serait flou et non mesurable qui serait « j'aimerais être plus heureux ». Ça, c'est un objectif qui n'est pas mesurable malheureusement. Le A, ça veut dire ambitieux. Qu'est-ce que ça va changer pour vous de réaliser votre objectif? Et le fait de vous poser cette question va aussi accentuer et amplifier votre motivation. Donc c'est tout bénef. R, pour réaliste. Est-ce que c'est un objectif qui dépend 100% de vous? Par exemple, l'objectif « j'aimerais que ma femme arrête de me saouler ». Ça, c'est pas un objectif qui dépend à 100% de vous. Par contre, vous pouvez le réexprimer pour qu'il dépende à 100% de vous. C'est-à-dire, ce serait qu'est-ce qui, chez moi, dans mon comportement ou dans mes attitudes, fait que ma femme me saoule? Et qu'est-ce que je peux changer, du coup, moi, dans mes comportements et mes attitudes pour améliorer mon couple? Ça, c'est quelque chose qui dépend 100% de moi. T, pourtant, quand, sous quel délai? Je veux dire, votre objectif de l'année 2017. Vous n'allez pas attendre le 30 ou le 31 décembre 2017 pour vous y mettre. Donc il faut spécifier un échelonnement dans le temps, ça me paraît important. Et le E, c'est pour l'écologie. Est-ce que c'est bien gagnant-gagnant avec votre entourage? Ça c'est une petite vérification éthique. Par exemple, je ne vais jamais accompagner un client si son objectif c'est de faire virer son patron. Il faut que ce soit win-win dans son entourage, gagnant-gagnant. Et
Qui ou quoi dois-je prendre en compte dans mon entourage? C'est une question d'écologie. Par exemple, moi, je me suis mis au sport en 2016. Bah, j'ai dû prendre en compte l'emploi du temps de ma femme pour intégrer mes sessions de sport vis-à-vis de son emploi du temps. Parce que je ne suis pas célibataire, je ne vis pas tout seul, j'ai une femme et j'ai une fille. Donc ça fait partie de mon écologie. Le principe. Ou plutôt les principes, parce que je vais vous en donner deux, ils sont importants. Le premier, c'est le principe des paliers. Vous savez, si vous avez une grosse montagne devant vous, ça peut vous décourager. Alors que si vous décomposez cette montagne en paliers, bah chaque palier va vous sembler facilement atteignable et finalement, après 10 paliers, chacun facile à gravir, bah vous aurez gravi votre montagne. Ça vous met dans une dynamique de réussite avec des petites victoires qui vont vous encourager d'aller plus loin. Le deuxième principe, c'est la ritualisation. Parce que la discipline est quelque chose de surestimé chez nous, êtres humains, et ça va être beaucoup plus efficace de mettre vos nouveaux comportements qui correspondent à votre objectif sur autopilote inconscient. Exemple du premier principe qui était de fixer des paliers, pas en drague. Ça donnerait de commencer avec des abordages dans la rue qui vous semblent éminemment faciles, je veux dire totalement évidemment faciles. Par exemple, vous pouvez aborder juste en demandant votre chemin. Seulement, alors, vous allez commencer à mettre dans les commentaires, ah oui, mais j'ai dit dans une autre vidéo qu'il ne fallait pas demander son chemin. Oui, mais c'est juste le premier palier. Écoutez la suite. Le deuxième palier, ce serait de demander son chemin. Et ensuite, peut-être si la femme réagit agréablement, bah de révéler qu'en fait, on sait très bien où on va et qu'on n'a pas besoin de direction et que simplement, on a dit ça parce qu'on ne savait pas quoi dire d'autre et qu'on voulait juste venir dire bonjour. Après, troisième palier, bah on va rajouter une marche. Donc on demande son chemin, on révèle qu'en réalité on connaît très bien son chemin et qu'en fait on voulait juste venir dire bonjour, et on rajoute de faire une remarque plutôt générique. C'est-à-dire, je sais pas, là on arrive dans la période des soldes. Si vous êtes dans la rue, dans un quartier commerçant, ça va être, ah ben j'imagine que tu es en train de faire les soldes, ou que vous êtes en train de faire les soldes, si elle a plus de 25-30 ans. Donc ça, c'était la troisième marche. Quatrième marche, après la remarque générique, j'imagine que tu es en train de faire des soldes, ben vous allez rajouter une remarque personnelle par rapport à elle. Donc quand elle dit oui, effectivement, je suis en train de faire des soldes, là, vous allez dire, ah oui, ben, effectivement, enfin, j'en sais rien, j'ai personne devant moi là, mais vous allez utiliser vos yeux pour dire quelque chose sur elle. J'imagine que, ah bah oui, j'imagine que, vu comment tu es habillée, tu fais assez sérieuse, je te verrais bien comme avocate et j'imagine que tu es en train d'enrichir un peu ta garde-robe professionnelle. Voilà, je dis une connerie, mais vous voyez l'idée. Après, vous allez rajouter, dernière étape, d'écouter ce qu'elle va dire vis-à-vis de votre remarque personnalisée et vous allez rebondir dessus. Rebondir, ça peut vouloir soit dire creuser, et creuser, ça veut dire. Ah oui, comment ça se fait? Pourquoi? Pourquoi vous avez choisi ça? Pourquoi tu as choisi d'être avocate plutôt qu'autre chose? Ou alors de relier ça à son expérience personnelle. Ah bah moi, les avocats, j'ai un peu un problème avec eux parce que j'ai eu récemment une expérience avec une nana qui était avocate, enfin patati et patata. Vous voyez, relié à votre expérience. Et si vous n'avez pas d'expérience avec une avocate, c'est pas grave parce que vous avez forcément un a priori par rapport à cette profession et vous pouvez très bien dire. Ah bah, moi, quand tu dis avocat, l'image que je me fais, c'est X, Y et Z. Dis-moi, est-ce que ça correspond bien en réalité à l'image que je m'en fais? Et là, si vous arrivez jusque-là, bah, vous aurez passé la minute de la mort. Vous savez, cette période pendant laquelle la femme est juste un peu paniquée parce qu'elle n'a pas l'habitude d'être abordée dans la rue et qu'il lui faut 30 secondes à une minute pour se rendre compte qu'elle est juste en train d'avoir une conversation normale avec un mec normal. Et donc là, vous allez être à l'aise et vous allez pouvoir improviser beaucoup plus spontanément. Donc vous voyez l'intérêt de faire ces paliers, ça peut tout débloquer pour vous. En tout cas, c'est ce qui m'a débloqué moi quand je me suis mis à la drague et à la séduction il y a maintenant quoi, 12 ans. Exemple de rituel. Alors ça, c'est de l'or en barre. Un exemple simple. Vous le faites deux fois par jour, moi aussi, c'est se brosser les dents. Jamais vous avez à compter sur votre discipline personnelle pour aller vous brosser les dents parce que c'est un rituel inconscient. Tout d'un coup, sans y réfléchir, vous vous trouvez dans votre salle de bain, devant la glace, en train de faire comme ça, sans y avoir réfléchi, sans vous avoir motivé.
Et ça, cette magie-là, c'est transposable sur vos objectifs pour 2017. Je vous donne deux autres exemples, peut-être un peu plus élaborés. Mon petit déjeuner, qui est un petit déjeuner optimisé, ce sont deux œufs, des lentilles, des épinards, une tomate, des échalotes, pardon, et de l'huile d'olive. Là, vous pensez bien que si je devais compter sur ma discipline tous les matins, même un matin où je vais être mal réveillé avant de prendre mon café, si je devais compter sur ma discipline pour mettre en place ce petit déjeuner, je le ferais une fois par mois au mieux. Mais là, j'ai déjà mis en place ce rituel et donc ça devient automatique. En fait, je vais dans la cuisine et inconsciemment, je me retrouve en train d'ouvrir les placards, de mettre mes œufs dans le plat, de préparer mes lentilles, de couper mes tomates. Tout ça inconsciemment sans y réfléchir pendant que ma tête est ailleurs. Donc c'est assez magique. Autre exemple, le sport. Je me suis mis au sport dans une salle de gym courant 2016. Ça fait maintenant 6 mois. Ça se passe très bien. Et j'ai réussi à tenir la cadence parce que j'ai mis en place un rituel. Maintenant, j'y vais quotidiennement et sans y réfléchir, arrivé une certaine heure dans l'après-midi, ben je sais que c'est l'heure pour partir en sport. J'ai organisé le reste de ma journée pour suivre. Et donc, voilà, c'est devenu automatique, sauf si, en pleine conscience, je peux avoir une priorité de temps en temps. Et ça, c'est pas gênant parce que je vais décider en pleine conscience. Justement, regardez. La plupart des gens comptent sur leur motivation pour décider d'aller au sport. Mais moi, c'est l'inverse. Par défaut, je vais au sport et si j'ai une urgence, eh ben, en pleine conscience, je vais décider de ne pas aller au sport. Vous voyez, la dynamique est inversée. Alors vous allez me dire, oui, ok, c'est bien beau, mais comment mettre en place un rituel? Effectivement, au début, vous avez besoin de motivation, vous avez besoin de peut-être mettre des rappels, des post-it dans votre appartement, de mettre des alarmes sur votre téléphone portable. Et typiquement, au bout de 3 semaines, 3 ou 4 maximum de comportements motivés comme ça, et bien le rituel sera alors en place et continuera sur son inertie, comme de se brosser les dents tous les matins et tous les soirs. Mise en application. Ce que je vous encourage pour vos objectifs 2017, que ce soit en drague, séduction ou autre, ben c'est d'abord de smartiser vos objectifs. Je vous ai expliqué comment faire. Ensuite, de surtout décomposer vos objectifs en paliers pour que vous puissiez rentrer dans une dynamique qui va vous encourager et surtout que le premier palier vous paraisse presque exagérément simple. Troisième chose, mettez en place un rituel. Alors, en drague, en séduction dans la rue, ça pourrait être de se fixer de sortir 3 fois par semaine. Je sais pas, moi, ça peut être 2 fois en soirée, vendredi et samedi soir, et 1 fois en journée, ça peut être dimanche après-midi. Et là, vous allez le faire automatiquement, vous allez vous discipliner à le faire pendant 3 semaines, et après, au bout de 3 semaines, ça va devenir automatique, et il faudra au contraire une décision consciente pour vous empêcher de le faire si vous avez une autre priorité, comme, je sais pas, moi, l'anniversaire d'une copine. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Quelles sont vos résolutions pour 2017? Partagez dans la zone de commentaires et surtout partagez quels seraient les paliers correspondants et surtout que le premier palier soit extrêmement simple et comment faire en sorte que vous allez en faire un rituel qui va être automatique et inconscient. Partagez dans la zone de commentaires, on en parle après la vidéo. Au revoir.